Effervescence particulière à Guibéroi, capitale de la région natale du président du COGEP, Charles Blégoudé. Les femmes des communautés villageoises de Guibéroi, de Dignago et de Galébré ont abandonné leurs tâches ménagères quotidiennes pour répondre à l'appel des femmes du COGEP afin de marquer leur soutien indéfectible au fils du terroir, le président du COGEP, Charles Blégoudé. Que le préau est trop petit pour recevoir les femmes, les mamans, les sœurs de Charles Blégoudé. Le préau de Guibéroi Village, prévu pour la cérémonie, n'a pu contenir tout ce beau monde. Il a fallu ajouter plusieurs bâches pour abriter ce déferlement de la gente féminine de la région. Cette mobilisation est le fruit de l'engagement de l'Union des femmes du COGEP Guibéroi. Je salue un peu aussi le président Blégoudé, parce qu'il m'a fait confiance. Il pouvait même refuser, mais j'ai dit, papa, je vais faire mon conseil de coordination. Maman Guizier, dis à Charles, je vais faire un conseil de coordination. Elle dit, ah, est-ce que tu peux? Madame Guizier Antoinette, présidente du COGEP, de l'Union des femmes du COGEP, vous m'avez demandé de travailler. Vous m'avez dit de rentrer dans les campements. Vous m'avez dit de rentrer dans les villages. Et voici mon travail. Vive le COGEP! 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 Satisfaite de la mobilisation réussie par la représentation locale de sa structure, Antoinette Bizier, présidente nationale de l'Union des femmes du COGEP, a donné des consignes claires. Ici c'est où? Guibéroi. Ici c'est où? Guibéroi. Cette mobilisation extraordinaire qui vient de faire mentir tous ceux qui dénigrent Charles Blégoudé pour dire pour Charles Blégoudé c'est fini. Les clameurs vont se taire à partir d'aujourd'hui. Les clameurs vont se taire à jamais. Je remercie votre fidélité et votre loyauté à Charles Blégoudé et au COGEP. Le chef n'est pas là, mais vous n'avez pas balancé ni à gauche ni à droite. Quand on vous a marré, vous êtes resté fidèle avec vous-même. Vous êtes resté égal à vous-même. Vous êtes resté digne. Moi qui vous parle ici, Madame Bizier, j'ai d'abord été Maman Blégoudé. Avant d'être aujourd'hui Union des femmes du COGEP. Ce qui veut dire, entre Charles Blégoudé et nous, il y a un lien particulier qui nous lie à Charles Blégoudé. Il est d'abord notre fils avant d'être notre président. Nous connaissons notre fils. Nous connaissons notre président. C'est un homme droit, loyal. En tant que maman, en tant que femme, je vais vous mettre en mission.
Je suis venu ce soir pour trois missions. Voici la première. Il y a des personnes qui se promettent, qui viennent raconter des choses au sujet de Charles de Goudé. La mission que je vous assigne maintenant, la première, posez-leur la question, où est notre fils? Où est notre enfant? Où avez-vous laissé Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé n'est pas allé à la haie parce qu'il a volé. Charles Blé Goudé est allé à la haie pour notre combat. N'est-ce pas ça la vérité? Est-ce qu'il allait à la prison parce qu'il a volé? Il allait à la prison pour notre combat. Il allait à la prison pour notre combat. Je vous ai déjà dit la première mission. Posez-leur des questions. Où est notre fils? Où est Charles Blé Goudé? Où avez-vous laissé Charles Blé Goudé? Posez-leur la question. Vous avez le droit de leur poser cette question. Charles Blé Goudé est de Guibérois. Il est né ici. C'est un fils de Guibérois. Ici, là, c'est le bastion de Charles Blé Goudé. La deuxième mission, vous devriez aller parcourir de village en village, de campement en campement, de canton en canton, pour installer une base dans chaque village, dans chaque campement, dans les monts et dans les hameaux. Il y a des personnes qui voudront rencontrer Charles Blé Goudé quand il va venir. Mais c'est ici qu'ils vont venir le rencontrer. C'est un gros bagage qui arrive. Un gros bagage pour toute la Côte d'Ivoire. Un gros bagage pour Guinée-Rois. Je vais appeler ici une dame, une battante, une dévouée, une engagée, une dynamique que je vais nommer ici la camarade Blédé Noël. Camarade, merci. J'ai préféré que tu sois là-bas, que je t'appelle pour te dire merci de vive voix devant ce peuple pour ce travail remarquable que tu as fait sur le terrain. Vous savez, il y a un an que j'étais ici à Guibérois, plus précisément à Ziriwa. J'étais venu pour mettre en mission Blédé Noël que voici. Aujourd'hui, elle nous a rendu, en tout cas, le travail colossal qu'elle a fait sur le terrain. Camarade Blédé Noël, encore une fois, merci. Que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse. Là où tu prends ta force, que Dieu te fortifie toujours, afin que tu ailles encore de l'avant. Afin que le nom de Charles Blé Goudé puisse triompher ici, dans les Diligas. La troisième mission, vous aurez en main le canari. Le canari de tout le monde. Dans le canari, il y a la boisson pour la fête. Le canari de l'espoir. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce canari? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Le président Charles Blé Goudé, par vidéoconférence, a tenu à remercier les femmes de chez lui avant d'apporter un peu plus de lumière sur les événements politiques en cours en Côte d'Ivoire. Il y a des pleurs, trop pleurs.
Les trois couleurs que je défends, c'est orange, blanc, vert. Les trois couleurs que j'ai défendues hier dans la rue avec vous, même depuis la haie, je défendrai toujours les trois couleurs orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. C'est ça qui est la Côte d'Ivoire. Et pour ces trois couleurs-là, si tu veux, il faut le mettre en prison. Tu perds ton temps. Je défendrai ces trois couleurs jusqu'à ce qu'un jour, Dieu arrache mon souffle. Parce que quand je vais revenir à Dimeloa, les gens vont quitter aux États-Unis, ils vont quitter en Italie, ils vont quitter partout pour venir à Dimeloa. Mais quand ils viennent, je veux qu'ils trouvent Evré, Dinambo, Dimeloa, tous là, rassemblés, où il y a des amis, il y a des Bamblés, il y a des Poulas, il y a des Pétés. Nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple généreux, nous sommes un peuple accueillant, nous sommes un peuple de rassemblement, nous sommes un peuple tolérant. Et je veux que Dimeloa soit l'échantillon, Dimeloa soit la ville pilote à partir de laquelle la réconciliation nationale de la Côte d'Ivoire va prendre sa fondation. Pour atteindre toute la Côte d'Ivoire et contaminer toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Chaque jour rapproche les militants du COGEP de leur chef qui se mettra en route bientôt. Reste juste la date exacte pour que leur rêve se réalise. Rejoignez-nous au COGEP.